Dans vidéo, ça nous va parler de Windows Explorer. Ou bien avant, après, j'en écoute mon gars, après, comment vous ranger ou après. Ok, pour lancer Windows Explorer, nous allons aborder des tâches là, cliquer sur folder ça. Ok. Windows Explorer, c'est une façon pour dire que vous trouvez toutes données qui sont sur le disque dur là. Autres gens qui ont placé là, ici, là. Ok, vous êtes capable de véhiculer sur n'importe quel ouvrier là pendant que vous avez Windows Explorer. On dit par exemple, mais je vais aller sur le bureau ordinateur, non, je vais cliquer sur desktop. Automatiquement, je vais sur le bureau à la main. Voilà, ouais. Desktop. Là, je vais sur le bureau. Je vais dire là où vos fenêtres. Ouais, dans le bas du titre, là où vous avez nos fenêtres là. Desktop. C'est le même qui est actif là. Et ensuite, en bas là, nous avons des menus. Okay. Nous avons File, nous avons Home, nous avons Share, nous avons View. Nous allons comment capable manage données nous avec, par exemple, on a là, si nous disons extra large icon, ouais, automatiquement, folder mieux vin, capacité et vue folder mieux changé. Ça a un extra large, small icon, ouais, tile, large, list. Content. Content, là, on voit que l'i tout bas, on a à droite là. Regardez. Content. Ouais. Il voit l'information sous date avec le. Ok. Qui ont créé, qui ont modifié, etc. Bon. Details, ils ont les mêmes, les bas, au date modifiée, le néo. Ok. Il dit qu'il est plié, tout ça c'est folder, tout ça c'est folder, ça a son shortcut et tout ça a son shortcut là. Ouais. Et ensuite, et ça a son application, ça a son shortcut, il a toute information sur le néo. Et puis là, il a une capacité. Ouais. Il a une capacité, tout size, 2 kilobytes. Ok? Maintenant, on a un size. Là. En Windows, toujours utiliser. Des mesures pour capable calculer la capacité yon, soit en folder ou bien yon fichier. Là, la capacité yon souvent utilisé après c'est byte, kilobyte, gigabyte yon plus utilisé pour la capacité yon, yon storage ou bien yon device qui soit un junk ou bien un disque dur, etc. Après, byte là, on peut utiliser pour la capacité de fichier. Ok? Maintenant, ici, on voit que, par exemple, offline, il y a 2 kilobytes, capacité de size, c'est 2 kilobytes. Alright. Yon byte, nous sommes capables de dire, c'est un byte, c'est un regroupement de 8 bits. Ok? Alors, il y a 8 bits. Le composé 8 bits ensemble, il y a un byte. Un bit, c'est une petite information qui gagne dans la chaîne d'information. Par exemple, dans 8 bits, l'empoint grain là-dedans, dans 8 là. Ok? Donc, c'est une petite information qui gagne dans la chaîne 8 bits là. Et l'empoint composé 8 bits ensemble, il y a un byte ou bien un octet qui, ce sont des unités de mesure. Pour mesurer soit un folder ou bien un fichier ou bien encore un storage sur ordinateur là un storage. Maintenant là nous avons comment on va changer vue icône nous. Maintenant on tourne là options. On est là options. Maintenant ça très important. Option lui-même, ça le fait. Ouais. Le clique sous lui. Par exemple, pour la non générale, là, open each folder in the same window. Ça veut dire, par exemple, ça là. Le clique ici, là, si je clique sous data, m'ouvrir, le double-clic, ou après, il y a moins d'informations. Il y a moins de data dans la même fenêtre là. Mais nous allons voir comment nous sommes capables d'ouvrir chaque nous cliquer, la nouvelle la fenêtre différente. Tourner dans Options. Cliquez sur Open each folder
Sorry, on its own window. Ouais, ouvrir chaque folder dans propre window, dans propre fenêtre pas. On fait apply, OK. Après là, si on clique sur data, il ouvre la data, non l'autre fenêtre à part. Ouais, si on clique sur logo, automatiquement il ouvre dans l'autre fenêtre à part. Tandis que l'unité première a été sélectionnée, ouais, ça veut dire open each folder in the same window. Ça veut dire ouvrir chaque folder dans même fenêtre là. On fait OK là. Après que si je clique sur data là, je vais gagner une autre fenêtre qui ouvre parce que c'est l'option ça que moi sélectionné. Là, on dit par exemple, la partie ça, c'est des souris, hein, comme vous faites cliquer. Après, single click to open an item. Par exemple, vous êtes capable checker ça, vous avez le bouton ça, va activer le côté que vous dites que au lieu de faire deux clics pour mouvoir un folder ou un fichier. Ok, on va tout simplement faire sur un clic à ouvrir. Je vais conseiller de nous faire, mais l'important pour nous connaître. Underline icon, titles consistent with my browser. Ok. Parce que pour souligner titre icono qui est dans le browser, etc. On a laissé le bon ouvert, on fait OK. Après là, c'est cliquer sur, well, il tout souligner, underline icon, well, souligner. Si on y clique une seule fois, automatiquement l'ouvrir une seule fois, l'ouvrir. OK. Au lieu de faire au lieu de cliquer deux fois, avec un seul clic, l'ouvrir. On allait désactiver l'option. OK. Ça dit double clic to open an item. Single click to select. Lorsqu'on seul clic pour le sélectionner dans la première option, là, on retourne pour la vérifier au bagage. Je vous dis, on passé sous IA, sous l'île, c'est vrai. On y passe sous IA, sous les sélectionner. Ça c'est option qu'on développe on sur un clic, il est ouvert folder. Alright. On a désactivé l'option. Ok, ici, dans l'option. Et puis là, cliquez sous. Double clic. Alright. View. Ok. Ça vraiment important. Côté que. Ou capable par exemple dit afficher extension fichier des fois extension qu'on cache ou on dit ah, besoin extension hein, faut le paraître dans le fichier hein. Et bien tout simplement besoin venir là et puis ok ou activer côté pour faire samedi hein, ok et après là par exemple si une folder qui cache là. Dès que je sélectionne ça, l'afficher tout folder qui caché, ou tout fichier qui caché, ou même drive qui caché, ou tout. L'afficher tout si je sélectionne option ça. Donc là, on va faire un paquet de bagailles. Et très important pour capable, venir là-dedans, jouer avec, et puis remettre au GIA parce que je suis capable de problème. Par exemple, ouais, là, on a un show drive ladder. On allait là. Ça veut dire qui ça? On a le disque du ordinateur là. Ok, on dit checker ça. On fait OK. On a le disque du là. On voit que on va gagner ces deux points là encore. Voilà, on va montrer ça tout à l'heure. On a les là. Option. Voilà. View. Descend là. Show drive ladder. Ouais. Si je fais apply, on peut qu'on a là, EA qui c'est drive ladder pour DVD drive là. On peut là, pour disque dur là, il y a drive ladder qui c'est C. Si je déchecke ça, il pas pareil. Donc ça, c'est important parfois parce que des fois, on a un ordinateur, on ne peut pas comprendre, on dit que ça passe. Et pour vous, juste connaissez là, vous venez activer ça. Pour ordinateur la capable de fonctionner, j'ai un besoin normal. Ok, guys. Merci. On minimise ça. On va montrer notre dernier bagage avant de finir la vidéo. Ça. On dit par exemple, ça, j'ai un gars là, vous arrangez, vous avez plus de façon capable de faire. Vous faites clic droit, vous allez dans. Vous allez dans. Sort by. Ok. Vous êtes capable d'arranger par nom, par size, par type. Ok, de données, etc. Ouais, c'est une question de nom. Name, il y a un jeu par nom.
Si vous cliquez sur, par exemple, size, arrangé par size, etc. Maintenant, là, tous les mêmes, vous êtes capable de que icône qui sous bureau apparaît plus gros, plus petit, etc. Large icon, ouais, va être gros. Medium, comment apparaît. Vous arrivez sur small icon, vous pouvez être plus petit. Ok? Donc, c'est tout ce qu'on va faire avec. On clique sur auto, on clique sur auto, arrange, arrange tout, puis arranger. Auto arrange icons, puis arranger pour contour. De façon automatique. Par exemple, si vous cliquez sur show le desktop, show le desktop. Ouais. Toutes les icônes de là, vous sont censées cacher. Pour pouvoir afficher, il faut l'activer ça encore. Vous allez dans view, vous cliquez show desktop icon. Show desktop icon. Ouais. Afficher toute icône qui sous bureau dans la petite panneau là sous médium là. Ok, bon, ok, c'est tout ça pour la vidéo, ça n'a pas dans la prochaine vidéo.